Yo. Sorry, là, s'il y a des bruits ambiants ou des trucs désagréables, j'ai vraiment pas de setup aujourd'hui, ok? Genre, je me suis pas prévu de lumière ou whatever pour que ce soit beau, là. J'ai juste comme. Je suis dans une hostie de mauvais espace, ok? Puis genre, je me confie à mes amis, mais je suis vraiment pas le genre de personne qui va exposer de même tout ce qu'il ressent parce que. J'ai pas, j'ai l'impression que ça donne une impression comme si je voulais de l'attention des autres, puis c'est vraiment pas ça que je veux. Je suis juste une personne qui aime montrer des belles choses. J'aime montrer des choses artistiques, puis j'aime ça que les gens ressentent quelque chose à travers moi. En tout cas, en ayant une chaîne YouTube, je trouve que c'est un beau mouvement créatif que je fais. Puis c'est quelque chose qui me rapporte vraiment beaucoup de confiance en moi. Puis en tout cas, je vais pas commencer à parler de toutes mes affaires personnelles par rapport à ma chaîne YouTube, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que. Je suis vraiment mêlée là. J'ai décidé de filmer cette vidéo-là parce que. Ça va pas, ok. Puis je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Que je m'ouvre de même, que je me mette à nu de même. D'habitude, quand je commence un setup de vidéo, je suis vraiment comme dans mon moi que je veux montrer aux autres, tu sais, le moi vraiment, je sais pas, plus confiant, plus drôle. Genre. Mais là, la personne que vous voyez actuellement, ben, c'est moi, quand même souvent. Puis, je pense que même si ça n'a pas de direction nécessairement, qu'est-ce que je dis, parce que je suis comme un peu en panique dans ma tête, je pense que ça peut bien refléter c'est quoi une crise de panique. Je sais qu'il y a eu une émission il y a pas longtemps qui est sortie là, sur uni.tv, je pense. Oh mon Dieu, je suis vraiment plus sûre. Mais en tout cas, c'était fucking bon. J'ai écouté le premier épisode. Puis ça s'appelait. Oh mon Dieu, j'ai quand même oublié le nom. C'est une chose sur genre l'anxiété. Puis c'était des gens qui se filmaient. Puis qui se montraient en train de faire des crises de panique. Puis tout. Puis comme. Je veux pas avoir l'air de copier ça ou whatever. Là, je me souviens plus du nom, mais c'était fucking bon. Mais en tout cas. Suis juste. Vraiment pas bien, ok. Et présentement, je vois pas vraiment la valeur artistique de cette vidéo-là parce que je me sens cave. Genre, je me sens cave de poster de quoi que j'aurai comme fait aucun montage, que je vais pas avoir peaufiné, que je vais pas avoir travaillé. Puis je me dis que je vais sacrer juste une merde, genre, sur YouTube, sur ma chaîne. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de le faire. Puis en ce moment, ça me fait vraiment du bien de juste. Laisser aller toute la merde que j'ai dans ma tête. L'anxiété, sérieusement, c'est comme un boulet de canon, genre, constamment dans ta tête, qui explose fort, qui t'empêche de voir, genre, ce qu'il y a autour de toi, qui t'empêche de voir c'est quoi la vraie vie. Genre, c'est quoi être bien entouré. C'est quoi, genre, être heureux, s'épanouir dans ce qu'on fait? C'est quoi avoir une bonne job? Sérieusement, là, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas sentie épanouie. J'ai des passes dans ma vie que ça va mieux, que je suis capable de me convaincre que ça va mieux, mais j'ai vraiment pas l'impression de voir l'essence de positive pour vrai. Tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que ce que je fais autour de moi, ça a un but, puis j'ai vraiment pas le sentiment d'être à ma place nulle part. Même si je suis fucking bien entourée, puis je suis en appart avec genre vraiment une personne qui. Genre, c'est genre. Un mégot d'or, ok, dans ma vie, sérieusement. C'est ma meilleure amie, puis sans elle, genre, je serais pas rendue nécessairement que je suis rendue, puis elle m'a vraiment apporté beaucoup, puis comme. J'ai une blonde qui est là, qui me supporte tout le temps, puis tu sais, je veux pas parler de ma vie privée, puis des gens autour de moi, mais comme juste pour vous donner des exemples. J'ai des parents en or, j'ai du monde. Tellement de monde autour de moi qui essaye de m'aider puis me tenir au bout de leurs bras, puis
J'ai tellement l'impression de décevoir tout le temps, tout le monde. Puis d'être une merde, puis d'apporter rien de positif à personne. Là, tout ce que je me dis, c'est ce que je ressens en ce moment dans ma tête. Puis quand je suis comme ça, quand je suis en crise de panique, je suis tout le temps en train de dire que c'est toujours comme ça, puis que ça n'a jamais été autrement, mais. Ça, je sais que c'est comme un mensonge un peu, je fais pas exprès, ça sort tout seul, mais comme je sais qu'il y a il y a vraiment des bons moments dans ma vie, mais on dirait j'y vois plus quand que je me sens comme ça, quand que je suis. Je sais pas si crise de panique c'est le bon mot, si le bon mot c'est anxiété, crise d'anxiété, mais bref. J'ai tellement d'idées dans ma tête que je le sais, je suis pas capable de faire mes phrases au complet, je suis pas capable d'avoir des idées concises puis directes. Puis ça me fend le cul aussi parce que j'aimerais ça juste que. J'ai l'impression que je suis un loser à tout ce que j'entreprends. Juste le fait de parler à ma caméra en ce moment, je me dis, ah, c'est que t'es poche. Juste le fait de penser à si je la mets en ligne ou pas, je me dis, mets-la pas en ligne, mets-la pas en ligne. Tout ça se passe en background dans ma tête pendant que j'essaye de vous parler. C'est pas parce que j'entends une voix ou quelque chose dans le genre, c'est juste ma conscience qui me parle en même temps que mes pensées sont. T'sais, genre, je suis en train de parler, je suis en train de faire une vidéo, nanana, ça c'est comme les trucs normaux que mon cerveau pense, comme n'importe qui. Puis, tu sais, il pense à respirer, il pense à bouger mes membres, tu sais, genre, je suis fonctionnelle, mais en background de ça, j'entends, t'es un esti de cave, t'es un crise de loser, sérieusement, arrête, 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 arrête. C'est comme si j'avais genre un gros démon au-dessus de mes épaules, esti, qui me criait, arrête, 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 t'es vraiment un crise de cave, genre. Qu'est-ce que tu fais? T'es nulle part, whatever. Genre, je sais pas qu'est-ce que je me dis, mais c'est tout le temps là. C'est quasiment comme. C'est pas comme quelque chose que je peux contrôler, tu sais, mais je sais que je peux le contrôler, mais c'est tellement fort en ce moment que c'est comme si je pouvais pas, puis comme si j'étais vraiment rendue petit, là. En tout cas, j'ai dégueulasse, puis j'ai peut-être même la morve au nez, en tout cas. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ok, en tout cas, désolée si vous avez trouvé ça vraiment plate ou whatever, mais. Je pense que ça m'a fait du bien d'en parler. On se revoit à plus tard.